De zitting is geopend. Monsieur le Président de la Commission européenne, cher Monsieur Juncker, chers collègues, c'est pour moi et pour nous tous un grand plaisir d'accueillir au Parlement belge le Président de la Commission européenne selon une tradition qui semble désormais bien établie. Je voudrais vous souhaiter une très cordiale bienvenue, Monsieur Juncker, et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Je suis conscient que votre agenda est des plus chargés, mais on a l'avantage qu'on habite la même rue. Et ce n'est pas d'ailleurs la première fois que nous avons l'honneur de recevoir le président de la Commission européenne pour un échange de vues. En octobre 92, nous avons reçu la visite du président Jacques Delors. En mars 97, nous avons eu un échange avec Jacques Santer sur les défis de la conférence intergouvernementale. Et en juillet 2006, M. Barroso est venu nous entretenir de l'avenir de l'Union européenne. Het is met veel belangstelling dat we met u van gedachten zullen wisselen over Europa en over de EU. Een Europa dat weliswaar een crisis doormaakt, maar crisissen, dat is bekend, dat zijn uitdagingen en uitdagingen zijn hefbomen om de toekomst te verbeteren. Het gaat hier ontegenzeggelijk over een veelomvattend en indringend vraagstuk dat bovendien brandend actueel is en in tegenstelling tot sommige andere items brandend actueel zal blijven. Nu tal van burgers zich in de Europese Unie niet langer herkennen, moeten we nadenken over wat ons kan verbinden. Men wordt geen Europees burger omdat een verdrag dat zo heeft verordend. En een Europees identiteitsgevoel kan natuurlijk ook nooit worden opgedrongen. Maar we kunnen en moeten dat gevoel wel proberen sturen en de Europese burgers enthousiasmeren door hen een Europa te tonen dat daden stelt, dat de barricade opgaat, dat creatief durft zijn en blijk geeft van lef als de omstandigheden dat vereisen. Une Europe qui acquiert davantage de légitimité en oubliant quelque peu les règles à partir desquelles elle a été constituée. Une Europe qui sort de la bulle dans laquelle elle a parfois tendance à complaire au détriment des peuples qui la composent. Quel modèle européen de société voulons-nous et quelle est la finalité même du processus d'intégration européenne? Alors que l'avenir de l'Europe a aujourd'hui le visage d'une menace, ces deux questions sont au cœur même des discussions entamées à Bratislava en septembre dernier par les chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres de notre Union. En zoals onze premier er vorige week in de Kamer heeft aan herinnerd, is het de bedoeling dat die debatten tegen de 60ste verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome op 27 maart wordt afgerond. Ik ben ervan overtuigd dat als Europa het vertrouwen van de publieke opinie wil terugwinnen en zich van de steun en het engagement van de mensen wil verzekeren, het onverwijld duidelijke antwoorden op die twee beide vragen zal moeten aanreiken. De Europese burgers willen geen nieuwe regels of verdragen, maar meer banen, meer veiligheid, meer groei. Ze willen Europa dat minder praat en meer doet. Een Europa dat hen kan mobiliseren en hen trots kan maken, omdat ze tot dat Europees model behoren. Sinds de financiële crisis heeft Europa bij de publieke opinie te veel het imago van een boekhouder. We moeten de burgers het gevoel geven dat ze door hun verleden, maar ook door hun vandaag en vooral door een aantal waarden, fier mogen zijn dat ze Europeaan zijn. Mais l'appartenance à l'Europe ne doit pas gommer nos différences culturelles, linguistiques ou autres, car la diversité des États qui la composent est source de richesse. L'architecture du projet européen devrait s'articuler autour d'un espace géographique bien déterminé au sein duquel les peuples peuvent vivre et partager leur diversité. Je vous remercie. Et je passe la parole à ma chère collègue du Sénat, Madame de Vreugde. Vous avez la parole. Thank you. Monsieur le Président de la Commission, Madame le ou la Commissaire, Monsieur le Président de la Chambre, chers collègues, Mesdames et Messieurs, on a maintenant coutume de dire que l'Europe s'est construite au fil des crises. Elle devrait alors être
parfaite, car à l'heure actuelle, ce n'est pas la pénurie de crise, mais plutôt la pléthore que nous subissons. Montée de l'islamisme radical, attentats terroristes, crise migratoire, chaos en Syrie et en Libye, et bien sûr, crise économique qui n'en finit pas, avec atonie de croissance dans la plupart des États membres. Et puis, surtout, une crise de confiance des peuples envers l'Union européenne, qui s'est notamment traduite par le Brexit. Bref, nous voilà au cœur de la remise en question de nos valeurs européennes. Je sais, chers collègues, que vous avez le droit de me fustiger pour une telle entrée en matière quelque peu dépressogène. Et pourtant, l'Europe a toujours été de l'avant. L'avenir peut s'apercevoir coloré pour autant que la volonté politique y soit. Être optimiste est un devoir moral. Sacrifier la magnifique construction européenne serait suicidaire pour les peuples d'Europe. Latowe Freud Cake, Latowe un Europa van de Bürgersbaue, un Uni, die Staat als ein Haus. Dat hebben we nodig om meer diepgang te krijgen. De uitbreiding is waarschijnlijk te snel gegaan. Het Europese project moet meer in overstemming zijn met de verwachtingen van onze medeburgers. Elkaar vinden in gemeenschappelijke waarden is fundamenteel. Mais aussi partager des ambitions communes. Ainsi en va-t-il, par exemple, des projets industriels. Nous souffrons trop du délitement de notre tissu en la matière. Des projets en matière d'énergie renouvelable, se mobiliser pour une cause commune, celle, par exemple, de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons besoin, comme de pain, d'harmonisation de quantité de règles européennes, bien sûr en matière économique, fiscale ou monétaire, mais aussi en matière sociale, en matière judiciaire. We moeten komen tot een echt politiek Europa dat zijn stem laat horen in de wereld. Daarom moeten we trots de waarden van Europa uitdragen. We hebben een echt Europees bewustzijn nodig, un réalistisch européen patriotisme. Quelle est notre identité? C'est probablement ce sentiment d'appartenance à l'Union qui nous manque le plus aujourd'hui. L'Europe, ce n'est pas un statut figé, c'est un processus dynamique. Chers collègues parlementaires, notre pays, par le rôle historique qu'il a toujours joué dans la construction européenne, doit être sans complexe. Il doit faire entendre sa voix avec un positionnement volontaire, engagé et créatif dans le projet européen. Nous ne gommerons probablement pas un certain niveau sous-régional, ni en Belgique, ni ailleurs. Mais nous devons montrer qu'au niveau le plus proche des citoyens, les régions, les communautés, les communes, l'Union européenne peut faire la différence avec ses projets concrets. Elle ne doit pas être un facteur de blocage pour certains investissements, mais au contraire, en être la clé dans le moteur. Permettez-moi, comme liégeoise que je suis, ainsi m'exprimer par une métaphore. Europa staat voor het streven om uitdagingen op lange termijn aan te gaan. Daarom is er nood aan engagement, maar ook aan concrete oplossingen waarmee wij vooruitgang kunnen boeken. Met 27 landen moeten we energie voorwaarts gaan. Wie trager wil gaan, zal de beslissing voor zijn eigen rekening moeten nemen. Wij verenigen de landen die vooruit willen. L'Europe, Monsieur le Président, à plusieurs vitesses, n'a pas ma préférence, mais il nous faudra peut-être l'assumer. Un noyau dur constitué par les États de la zone euro. Je plaide pour des coopérations renforcées entre ces États sur les questions d'économie, de sécurité ou de migration. Ne faisons pas l'impasse d'une Europe de la défense,
ni sur celle d'une union des renseignements. Monsieur le Président, je m'en voudrais de faire un catalogue de nos défis, de les énumérer ainsi, mais je voudrais adresser pour terminer un message qui me paraît fondamental. Nous ne rendrons confiance à nos citoyens dans la construction européenne quand nous aurons réglé la question du dumping social, source d'angoisse, de colère de nos concitoyens. Het vrij verkeer van diensten binnen Europa moet plaatsvinden in omstandigheden die niet alleen borg staan voor een gelijke behandeling van de ondernemingen, maar ook voor de eerbieding van de rechten van de werknemers. Hiertoe dient de detacheringsrichtlijn te worden gewijzigd. Et pour transmettre l'héritage de l'Europe aux générations futures, c'est une vision courageuse, entreprenante à certains égards, une vision très neuve, une vision décapante, loin de certains sentiers battus que nous devons désormais construire. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous avez la parole. Hartelijk bedankt. Mevrouw voorzitter, meneer voorzitter, mesdames et messieurs les députés et sénateurs, madame la commissaire, chère Marianne, monsieur l'ambassadeur, il avait été prévu que je m'adresse à vous il y a un mois ou deux. Alors j'ai appris que le président de la Chambre ce jour-là était en voyage. Enfin, les parlementaires aiment voyager. Et puis, j'ai découvert qu'il a remis à la séance d'aujourd'hui mon intervention devant vous pour une raison simple. C'est que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et donc, je voulais, au nom de la Commission et de l'Europe, le féliciter pour son anniversaire. Je suis, je l'ai dit à Marianne en voiture, probablement le non-belge qui connaît le mieux la Belgique. Cela est instructif. Cela me permet de comprendre les difficultés, y compris institutionnelles et interinstitutionnelles, en Belgique. Mais cela me permet aussi de rendre hommage à ce pays que je connais bien depuis toujours. J'habite à 17,5 km de la frontière belge. Enfin, tous les luxembourgeois habitent dans cette région frontalière. Mais cela nous permet à nous, luxembourgeois, de mieux comprendre les autres et de mieux nous comprendre. Et donc, je voulais d'abord rendre hommage à ce pays que j'aime beaucoup. Et j'ai découvert cet amour, à vrai dire, profond, et non seulement de complicité, avec la Belgique en mars de l'année passée. Et nous allons commémorer cette terrible journée en mars. Et sachez que l'Europe, ce jour-là, tout comme l'année passée, sera à vos côtés. Je sais à qui je m'adresse, mais je n'ai pas très bien compris la chorégraphie de ce matin, parce que j'ai découvert en voiture que je suis supposé m'exprimer pendant 10 minutes. C'est normalement le temps qu'il me faut pour l'introduction de mon introduction. Et donc, je me bornerai à l'essentiel pour vous dire d'abord à quel point nous apprécions à la Commission le rôle qui fut toujours celui de la Belgique. Les Belges, parce qu'ils sont Belges, ont bien compris l'enjeu européen et continental. Nous avons été, nos amis néerlandais, nos amis belges, mes amis luxembourgeois, à l'avant-poste de l'intégration européenne, puisque le Benelux a donné une idée quant à sa sculpture de base de ce qui pourrait être l'Europe. Rares sont ceux qui aujourd'hui se rappellent, puisque nous n'étions pas nés, que le Benelux fut créé en 1944
par les trois gouvernements en exil à Londres. Et d'ailleurs, les premières idées sur l'Union européenne étaient en fait l'œuvre d'avant-garde de ceux qui venaient de l'Europe centrale et de l'Europe orientale, parce que les premiers projets sur l'Union européenne, tel était le titre de leur réflexion, émanaient des gouvernements tchèques et polonais en exil, eux aussi, à Londres. Nous qui pensons, dans cette partie de l'Europe, que nous sommes des précurseurs, ce qui est vrai pour les trois pays du Benelux, nous ne l'étions pas. Et d'ailleurs, dans le document déposé par les gouvernements polonais et tchèques à Londres, sur le pupitre des grandes nations, disait, in fine, qu'ils voudraient, ces deux gouvernements-là, que les pays de l'Europe occidentale les rejoignent un jour sur ce projet. Alors, le diktat funeste de l'après-guerre, ayant voulu que nos amis de l'Europe centrale soient séparés de nous pour toujours, les a empêchés de traduire dans des faits concrets leur idée de base. Mais il faut parfois rappeler à ceux qui jettent un regard condescendant sur ce qu'on appelle toujours et à tort les nouveaux pays membres de l'Union européenne, sachent que l'idée initiale émanait de Varsovie et de Bucarest. La Commission attache beaucoup d'importance aux contacts réguliers avec les parlements nationaux. Le président de la Chambre a attiré votre attention sur le fait que mes prédécesseurs, tous, se sont présentés devant vous, mais lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai demandé au commissaire de circuler en Europe, de ne pas rester au 10e, 12e, 11e, 13e étage, non, le 13e c'est moi seul, du Parlement, mais de circuler, de parler aux parlements nationaux. Les commissaires ont fait 485 visites depuis le début de notre mandat aux parlements nationaux, dont 6 en Belgique, démontrant par là l'intérêt que nous portons aux opinions parlementaires nationales. Nous sommes responsables devant le Parlement européen, mais croyez-moi, nous pensons que nous sommes également responsables, même si cela n'a trouvé aucune traduction institutionnelle dans les traités, devant les parlements nationaux. J'ai toujours considéré, moi qui étais pendant 19 ans Premier ministre du Grand-Duché, que l'Europe ne peut pas se construire contre les nations. Ceux qui s'imaginent que les nations seraient une invention provisoire de l'histoire apprendront que les nations sont faites pour durer. Dans leurs différentes déclinaisons, il y a le niveau national, il y a le niveau fédéral, il y a le niveau régional. Demain, d'ici 20 années, la vraie compétition n'aura pas lieu entre les États, mais entre les régions. Et donc, il faut apporter au fait régional toute l'attention qui lui revient. Ma commission, si vous me permettez d'employer ce prénom possessif d'une façon un peu exagérée, considère que nous sommes aux prises avec ce que j'appellerais une polycrise. J'ai passé le premier semestre en 2015 rien que sur la crise DREC, qui est éternelle et qui dure, mais qui est en train d'être résolue. Je veux l'espérer pour la Grèce et pour moi. Nous avons pu constater qu'il y a eu la guerre en Syrie, qui malheureusement perdure. Nous avons le problème du Brexit. Et nous avons un nouveau président aux États-Unis, dont j'ai pu rencontrer hier son vice-président. Donc il y a crise partout. Commençons par le Brexit, puisque c'est une crise qui nous concerne tous. Je note avec un certain déplaisir, sinon une certaine déception, que dans beaucoup de pays, on considère que cette affaire est réglée. Elle ne l'est pas. Lorsque la première ministre britannique
nous fera parvenir sa lettre de divorce, les négociations vont commencer. Nous avons 2 années pour nous mettre d'accord sur les modalités de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Voir partir un pays, non pas un pays de moindre importance, parce qu'il n'y a pas de pays de moindre importance, mais un vrai acteur européen, le cénacle de l'Union européenne, m'attriste. Et donc, il faudra que nous réglions cette affaire, non pas avec un cœur rempli de sentiments d'hostilité, mais avec le savoir que le continent doit beaucoup au Royaume-Uni. Sans Churchill, nous ne serions pas là. Et donc, il ne faut pas l'oublier. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Il faudra que nos amis britanniques comprennent que nous voulons continuer à développer l'intégration européenne, non pas en faisant de l'Union européenne une union chaque jour plus étroite, c'est un poème introductif du traité de Maastricht et de Lisbonne, mais pour raffermir les liens qu'il y a entre nous. Donc il est essentiel que celui qui veut pouvoir bénéficier des avantages du marché intérieur doit respecter les 4 libertés fondamentales, y compris celles qui concernent la libre circulation des travailleurs. Ce sera une négociation difficile qui prendra 2 années pour nous mettre d'accord sur les modalités de sortie et pour nous mettre d'accord sur l'architecture future des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il nous faudra des années. Il faudra que les Britanniques sachent, ils le savent déjà, que ce n'est pas à coût réduit ou à coût zéro. Les Britanniques sont tenus de respecter les engagements à la confection desquels ils ont pris la part. Et donc la facture sera, pour le dire un peu vulgairement, très salée. Et il faudra que les Britanniques respectent leurs obligations librement consenties. Nous sommes pas à la fin de la crise économique, financière et j'ose dire monétaire. Tous les problèmes que nous avons eus ont été résolus, mais ils n'ont pas été résolus entièrement. Et donc il faudra que nous apportions à l'euro toute la tendresse institutionnelle qu'il faudra. Moi, je suis un peu déprimé à lire la presse belge. Non pas parce que c'est la presse belge, mais parce que la presse belge rapporte les propos des hommes politiques belges qui, sur l'Union économique et monétaire, portent un regard qui n'est pas imprégné par les développements récents. L'euro, ce n'est pas l'austérité. Moi, j'étais président de l'Eurogroupe pendant 8 ou 9 années. Je n'ai jamais aimé ce discours néolibéral, ce discours fait d'austérité et de rigueur excessive. Moi, je suis contre l'austérité aveugle, raison pour laquelle cette commission a, au sens noble du terme, flexibilisé l'interprétation du pacte de stabilité, en ajoutant des clauses d'investissement, en ajoutant des clauses qui concernent les réformes structurelles, ce qui fait par exemple, pour ne pas prendre un exemple belge, que l'Italie aujourd'hui peut dépenser 19 milliards d'euros en plus sans qu'elle ne soit sanctionnée au terme du pacte de stabilité que nous avons, sans le modifier, entièrement modifié en ajoutant une dose de lecture et de grille de lecture économique à l'interprétation du pacte. D'ailleurs, le pacte fonctionne. Nous avions un déficit budgétaire moyen de 6,3% en 2009. Nous sommes retombés à un déficit moyen de 1,7% en 2016, ce qui prouve à l'évidence que sans austérité, en appliquant une politique de sériosité budgétaire, l'assainissement budgétaire est possible, y compris en Belgique, qui a su faire en sorte que la Belgique ne soit plus, à part la dette publique qui reste énorme,
comme un pays en manque de progrès budgétaire. J'étais jeune ministre des Finances en 1991, au moment de la conférence intergouvernementale sur l'Union économique et monétaire que j'ai eu l'honneur de diriger. À cette époque-là, la Belgique avait un déficit de 13%. Sur une relative courte période de temps, réduire un déficit budgétaire énorme à un déficit budgétaire plus acceptable et en 2016 et en 2017 et en 2018 relève d'un effort national considérable, ce dont il convient de féliciter la Belgique. Nous parlons souvent de l'Europe en termes de crise. En fait, je considère que nous sommes insuffisamment fiers des performances de l'Europe. Regardez la carte de l'immédiat après-guerre. Regardez le sort de ceux qui revenaient des champs de bataille et des camps de concentration. Regardez leur courage qui fut de faire de cette éternelle prière d'après-guerre, plus jamais la guerre, un projet politique qui dure et qui, jusqu'à ce jour, sort des effets bénéfiques pour tout le monde. Nous avons créé le plus grand marché intérieur au monde. Nous nous sommes dotés d'une monnaie unique, ce que je n'ai pas pu regretter, puisque le jour où l'euro fut introduit, nous n'avons pas perdu le franc belge, mais nous sommes libérés d'une suprématie belge qui devenait insupportable, puisque le gouvernement belge, dans sa non-sagesse, en février 82, avait décidé d'évaluer le franc belgo-luxembourgeois sans demander son avis au gouvernement luxembourgeois, ce qui, pour moi, fut toujours un argument pour créer une monnaie unique qui faisait d'un partenaire impuissant un coacteur et un copropriétaire actif d'une monnaie unique. Mais nous parlons de ces choses-là sans faire référence, et Christine vient d'y faire allusion, sans parler de l'Europe sociale. L'Europe sociale est l'enfant pauvre de la construction européenne. Non pas que rien n'aurait été fait dans ce domaine. Il y a des directives sur l'égalité entre hommes et femmes qui ont poussé les législateurs nationaux à faire ce dont ils n'avaient pas vraiment envie. Nous avons de multiples directives en matière de santé et de sécurité au travail, et Marianne est en train de construire, je ne dirais pas ex nihilo, mais à partir de pas beaucoup de choses, un pilier des droits sociaux en Europe, ce qui pour moi est une exigence de notre temps qui demande beaucoup d'ardeur dans notre effort collectif de réconcilier les citoyens de l'Europe avec l'Europe, puisqu'il y a un fossé énorme entre le monde politique européen, la Commission donc, ne parlons pas du Conseil, et les citoyens européens, et nous le ferons d'une façon qui parlera à ceux qui travaillent, qui font partie de l'Europe et qui ne sont pas des personnes moins nobles que ceux qui nous ont entraînés vers une Europe néolibérale au sens non libéral du terme, parce que l'expression néolibérale ne tient pas compte de l'évolution du libéralisme en Europe, et donc il faut réconcilier les travailleurs avec l'Europe, ce à quoi Marianne s'attache avec beaucoup de courage. C'est dans cette veine que nous avons introduit, nous, Marianne, une révision de la directive sur le détachement des travailleurs. L'Europe, oui, ce n'est pas le dumping fiscal. Nous nous attelons à une tâche ardue qui consiste à réglementer les paysages fiscaux en Europe pour éviter le dumping fiscal que les Belges et les Luxembourgeois connaissent bien pour l'avoir pratiqué pendant un certain moment. Il faut lutter contre le dumping social. Il n'est pas normal qu'en Europe, ceux qui viennent travailler en Belgique notamment, où le problème du détachement est connu, ou en France, ou au Luxembourg, il ne faudrait pas qu'ils soient moins
bien traités et moins bien payés que ceux qui travaillent à leur côté dans la même usine, dans la même fabrique, dans les mêmes bureaux. Nous avons reçu des cartons jaunes dont 11 parlements étaient originaires, mais nous avons répondu à ces questions qui nous furent lancées. Mais il ne faut pas croire qu'en matière de détachement, on puisse invoquer des arguments de subsidiarité. Moi, je suis un grand fanatique de la subsidiarité. C'est la doctrine sociale de l'Église. Mais Aristote, en fait, il faut le dire aux démocrates chrétiens, c'était le premier démocrate chrétien parce que c'est lui qui a inventé le principe de subsidiarité. Il faudra qu'au niveau des régions, qu'au niveau des collectivités locales, les choses soient faites pour lesquelles les ministres-présidents des régions et les bourgmestres dans nos villes et communes sont plus compétents que les commissaires et les fonctionnaires de la Commission. Mais le détachement n'est pas une question de subsidiarité. S'il y a une question qui est de solidarité, c'est le travail transfrontalier, et donc il faut lutter contre le dumping social. Je dirais un mot du CETA, puisque cela agitait le monde politique européen, y compris. Je vous avais dit qu'il me faut 10 minutes pour faire la première partie de mon introduction. Oui, je respecte le Parlement, mais enfin, les premières questions qui me sont adressées seront de dire « vous n'avez pas parlé de ceci et de cela, et donc je veux parler du CETA pour dire que sur ce point, il faudra que la Belgique se ressaisisse. Non pas pour parler du contenu, mais pour parler de la méthode. Je n'ai pas aimé les critiques, notamment émises dans le sud du pays, qui critiquaient la Commission pour ne pas avoir su écouter le Parlement de Namur. C'eût été le devoir du gouvernement central et des gouvernements des différentes régions de se mettre d'accord entre eux au lieu d'insulter la Commission. Nous ne sommes pas là pour faire le travail de la Belgique. La Belgique doit faire elle-même son travail. Donc, je ne vous parlerai pas des effets bénéfiques de l'accord avec le Canada. Je respecte les compétences des régions, mais la Commission, les régions ne sont pas l'interlocuteur normal de la Commission. Nous nous sommes infiltrés dans le dossier pour qu'il puisse y avoir un accord intra-belge qui nous a permis de conclure ce dossier difficile. Je ne vous dirai pas que la Belgique profite pleinement du plan d'investissement européen qui, lorsqu'il fut inventé, s'appelait le plan Juncker, parce qu'on pensait que le plan ne fonctionnerait jamais, donc on voulait pré-identifier l'auteur du crime. Maintenant, ça fonctionne, y compris en Belgique. C'est maintenant le plan d'investissement européen. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, on est sous la pression du temps. Ik stel voor dat, en u kent allemaal voldoende de materie om zich te kunnen beperken tot één belangrijk aspect gedurende 1 minuutje, zodanig dat er ook nog de kans bestaat voor de voorzitter om te antwoorden. Ik ga daarbij gewoon de volgorde van de groepen respecteren. Ik stel voor dat u zich bij het begin van de vraag voorstelt, zegt tot welk parlement u hoort, et donc aussi au groupe que vous appartenez. Meneer Luix. Oui. Meneer Luix. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Welkom in het federale parlement. Het is spitshoede lopen voor Europa en met het vooruitzicht van de top in Rome is het inderdaad nodig om na te denken over de toekomst. En sommige uitdagingen kunnen daarin wel een katalysator zijn, de Brexit, de crisissen. En u weet dat de Vlaamse regering heeft al een 10-puntenplan uitgewerkt met een visie over Europa, met onder andere strategische internationale handelsakkoorden, wat u zeer belangrijk vindt. Maar hoe gaan we nu die toekomst zien? Zouden we dat inderdaad op lange termijn moeten zien? Moeten we gaan naar een soort van institutionele, eurofiele luchtkastelen? Of
moeten we ons niet gaan focussen op een pragmatische aanpak en concrete resultaten. Een soort van ja, Zweedse coalitie op Europees niveau, waarbij, net zoals in België, een institutionele standstill gerespecteerd wordt om ervoor te zorgen dat de aanpak concreet op het terrein voelbaar wordt. En voorzitter, één klein vraagje. U heeft verwezen, meneer Jonker, naar het belang van de nationale lidstaten, de regio's, hun eigen identiteit. Hoe gaat u in de toekomst omgaan met die regionale entiteiten die misschien wel een lidstaat worden in Europa, zoals Catalonië, Schotland en Vlaanderen? Meneer Luijks, dat was perfect binnen de timing. Monsieur Cruzinière. Merci, monsieur le président. À mon tour, je remercie évidemment chaleureusement Stéphane Cruzinière, pardon, pour le groupe PS, ici membre de la Chambre des représentants. Je vous remercie, monsieur Juncker, très chaleureusement pour votre venue ici devant notre Assemblée. Et vous avez dit lors de votre installation que cette commission serait celle de la dernière chance, et donc c'est important qu'on puisse aujourd'hui débattre. Notre groupe a toujours eu un message fédéraliste, tout en plaidant pour une autre Europe, celle qui protège et permet le progrès social, et non pas celle de l'orthodoxie budgétaire qui bloque la moindre relance et les investissements publics. Ni celle de l'Europe, de l'inaction qui conduit les travailleurs européens à se mettre en concurrence déloyale. Ma première question est toute simple. Comment voyez-vous l'évolution de la position belge dans ce cadre? Trouvez-vous que la Belgique participe activement à mettre en œuvre cette autre Europe quand on voit, par exemple, que le gouvernement actuel bloque la coopération renforcée sur la TTF? Dans la préparation du sommet de Rome, qui voit la lourde tâche de se pencher sur l'avenir de l'Europe, on semble trop souvent se résumer à parler du Brexit. J'aimerais entendre, vous avez fait un mini-bilan ici de votre action, mais quelles sont vos priorités, vos projets novateurs pour faire avancer et relancer le projet européen, oserais-je dire le rêve européen? Nous pensons à la TTF, à la relance des investissements publics, à la lutte contre le dumping, à la défense des valeurs européennes. Vous dites que, que l'Europe sociale est le parent pauvre de de l'Union européenne. Quelles solutions proposez-vous? Qu'allez-vous mettre en œuvre pour solutionner ce problème? Je vous remercie. Merci, M. Cruzinière. M. Müller. Oui, merci, Monsieur le Président. À mon tour, au nom du mouvement réformateur et de mes collègues, Mme Jadin, M. Flau, de vous remercier pour votre présence, M. Juncker. Donc, ma question est directe. Notre Premier ministre, Charles Michel, est très volontaire au niveau de tout ce qui peut être fait pour un plan d'investissement associant l'État fédéral belge et les entités fédérées belges. Cette démarche s'inscrit bien entendu dans le respect strict des règles budgétaires européennes. Et donc ma question est la suivante, Monsieur le Président. Une réflexion est-elle menée au sein de la Commission européenne en ce qui concerne la comptabilisation des investissements publics qui seraient réalisés dans notre pays? Je vous remercie pour votre réponse. Parfait, Monsieur Müller. Meneer Van Petegem. Dank u wel, meneer de voorzitter. En meneer de voorzitter, ook namens onze fractie, de CD&V-fractie, van harte dank om uw toelichting en uw inleiding. Nu, u weet dat België steeds inderdaad een voortrekker geweest is in het Europese verhaal. We hebben daar steeds heel sterk in geloofd als een sociaal-economische unie, ook als een politieke unie, als een global actor in de wereld. Nu, u heeft er net ook al naar verwezen dat er wel een kloof bestaat met de burger. En diezelfde vraag hebben we ook al gesteld aan Herman Van Rompuy, toen hij er een aantal weken geleden terug was. En die zei van, eigenlijk is er geen kloof met de burger. Want de burger, of het Europese verhaal, heeft nooit dichter gestaan bij de burger door de invloed die de Europese regelgeving heeft op het dagelijkse leven van de burger. Vandaar eigenlijk een beetje mijn vraag, de paradox die er eigenlijk vandaag bestaat. Enerzijds is er heel veel invloed vanuit Europa op het dagelijkse leven. Anderzijds zitten we met het feit dat er een kloof wordt gepercipieerd met de burger. De vraag is een beetje van welke voorstellen gaat u doen, naar aanleiding natuurlijk ook van de 60ste verjaardag van het Verdrag van Europa, om dat geloof bij de burger opnieuw aan te wakkeren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Petegem en mevrouw Turtelboom. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, met de Brexit-onderhandelingen denk ik dat we heel aandachtig moeten zijn over het feit dat Europa de komende jaren niet alleen met de Brexit-onderhandelingen bezig is en niet alleen van daaruit een strategie maakt om de Britten af te straffen om op die manier de rest van Europa bijeen te houden. Ik wou eens vragen op welke manier dat u zal voorkomen dat er voldoende tijd vrij blijft voor die grote hervormingen en dat we vooral naar een Europa en een Europese Unie gaan van de hoop en geen Europese Unie van de angst. Dat is mijn eerste vraag. Tweede vraag.
Vorige week hebben we hier in de Kamer unaniem een resolutie aangenomen om de pre-toetredingssteun aan Turkije om die stop te zetten, omwille van de schendingen van de mensenrechten, omwille van de fundamentele schendingen van de persvrijheid. Ik weet dat de Europese Commissie de zaak ook aandachtig volgt, maar de Europese Commissie ook bereid om effectief de pre-toetredingssteun stop te zetten aan Turkije en op die manier ook het moreel leiderschap in de wereld op te nemen, waarin we in deze veranderende situatie toch wel een unieke kans voor hebben. Dank u, mevrouw Turtelboom. De heer Van der Malen. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ook namens de Vlaamse socialisten, welkom in de Kamer. Ik heb een vraag rond internationale veiligheid. Wij moeten in Europa keuzes maken. En ik zou voorstellen, het is misschien een beetje uit de mode, dat we de keuzes zouden maken op basis van feiten. Als we kijken naar Cypri-gegevens, dan blijkt dat de laatste 25 jaar de Europese Unie-landen minstens 3 maal meer aan defensie hebben uitgegeven dan aan Rusland. Ik zou zeggen, dat moet volstaan om de militaire veiligheid te verzekeren. Wij zijn bereid om die nog beter te maken. En mijn vraag aan u is, wat stelt de commissie voor om betere coördinatie, meer integratie op het vlak van defensie? Twee, ik was heel blij toen ik u in München vorige week hoorde pleiten voor een ruimer begrip voor dan militaire veiligheid. Ik denk inderdaad dat het veiligheidsprobleem van Europa, als we de militaire veiligheid, het probleem naar het oosten geregeld hebben, dat de grootste onveiligheid voor Europa in de komende decennia komt uit de mogelijke destabilisering van Afrika en het Midden-Oosten. Wij moeten een veel grotere inspanning doen, in plaats van in de militaire richting, maar in richting van internationale solidariteit met Afrika en het Midden-Oosten. Ik zou van u graag horen wat uw commissie op dit vlak plant. Dank u, meneer Van der Malen. Monsieur Hellings. Merci, monsieur le président, monsieur Juncker. Au nom des Verts francophones et flamands, je vous remercie d'avoir remonté les 400 mètres qui vous séparent de notre Parlement et à votre bureau. J'ai une question simple. Lors de la constitution de l'Europe des droits sociaux que vous appelez de vos voeux, en collaboration avec Mme Thyssen, qui est ici sur place et dont je remercie pour la présence, quels seront les mécanismes contraignants pour les 27 États membres restants pour apporter une réponse concrète aux 6 millions de pauvres qui ont émergé dans 26 pays d'Europe, à l'exception donc de la Pologne et de la Roumanie, les 6 millions de pauvres qui ont émergé à la faveur des politiques d'austérité qui sont mises en œuvre depuis 2008 au niveau de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hellings. Monsieur d'Allemagne. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président Juncker, d'être là avec nous aujourd'hui pour cet échange de vues. Et merci aussi à Marianne Thyssen d'être là. On sait que parmi les éléments qui sont de nature à relancer la confiance et l'enthousiasme dans l'Union européenne, il y a bien sûr l'Europe sociale, mais il y a aussi effectivement l'Europe de la défense et de la sécurité intérieure et extérieure. Vous savez peut-être que la Belgique va probablement déposer bientôt une loi de programmation militaire. Il s'agit d'engager pour l'avenir de gros efforts en matière d'équipement lourd, notamment d'avions militaires. Et je voulais vous demander, les directives européennes autorisent déjà une certaine préférence européenne sur des questions stratégiques. Dans le contexte actuel, avec les déclarations américaines sur l'OTAN, sur l'Union européenne de la part de M. Trump, quelles sont les recommandations que vous faites aux Européens et à la Belgique éventuellement en matière d'achat militaire? Est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir là effectivement une industrie de défense intégrée et une préférence aux équipements européens? Je vous remercie. Merci, monsieur d'Allemagne. Mevrouw Pas. Ja, voorzitter, ik had een korte vraag over de stijgende Belgische staatsschuld. Hoe verklaart en beoordeelt de Europese Commissie het feit dat België, midden van West-Europa, ondanks alle beloftes van verandering, al meer dan 20 jaar structureel en onveranderd Zuid-Europese schuldcijfers vertoont? Is daar een verklaring of een beoordeling van de Europese Commissie voor? Dank u wel, mevrouw Pas. Monsieur Van Nees. Oui, monsieur Juncker, je veux m'adresser au Marco Van Nees, député fédéral PTB. Je veux m'adresser au président de la Commission européenne, mais aussi à l'ancien, vous l'avez rappelé, premier ministre et ministre luxembourgeois pendant une vingtaine d'années. The Guardian a dévoilé votre rôle dans, selon lui, dans les vétos que vous auriez mis à la plupart des initiatives en matière de lutte contre l'évasion fiscale.
On sait aussi que le Luxembourg, au-delà de l'affaire LuxLeaks, a, et selon moi, continue à jouer un rôle assez fondamental comme paradis fiscal. Hein. Et donc, vous nous dites que c'est de l'histoire ancienne, si j'ai bien compris vos propos. Vous épinglez aussi la Belgique, et là je suis tout à fait d'accord avec vous que la Belgique a aussi des choses à se reprocher en la matière, même si je pense que le niveau du Luxembourg reste sans commune mesure avec celui de la Belgique, et qu'aujourd'hui la Suisse et le Luxembourg sont les deux pays qui jouent un rôle incontournable et très grave au niveau de l'évasion fiscale en Europe et dans le monde. Alors voilà, je cite Gabriel Zucman, un des spécialistes des paradis fiscaux, qui estime que ce rôle joué par le Luxembourg est vraiment dommageable aux finances publiques, en particulier des pays de l'Union européenne, et il va jusqu'à proposer, si le Luxembourg ne change pas sa politique, d'exclure le Luxembourg de l'Union européenne et d'appliquer un embargo commercial et financier contre le Luxembourg, parce qu'il dit voilà, les dégâts sont trop importants sur les finances publiques de l'Union européenne. Que pensez-vous de ces affirmations, Monsieur Carcacci? Merci, Monsieur le Président. Aldo Carcacci, député Parti populaire. Monsieur le Président Juncker, selon Charles Michel, notre Premier ministre, une Europe à deux vitesses serait envisageable, alors qu'une Europe à plusieurs vitesses, elle serait un clash total. Qu'en pensez-vous? Et enfin, je voudrais vous poser une question concernant les sanctions à l'encontre de la Russie, et qui sont à mes yeux contre-productives, car elles pénalisent avant tout les producteurs belges et européens. De plus, le changement à la tête des États-Unis et le rapprochement entre le président Trump et Poutine fait que l'Europe va se retrouver, me semble-t-il, un peu hors jeu dans le monde et pour occuper la place qu'elle mérite dans toutes les discussions de politique internationale. Pensez-vous, Monsieur le Président Juncker, lever ces sanctions et si oui, à quelle échéance? Je vous remercie. Merci, Monsieur Carcacci. Et je passe finalement la parole au coprésident de notre comité d'avis, Monsieur Mahou. En vous rappelant, Monsieur le Président Juncker, que le comité d'avis ici en Belgique est constitué de parlementaires de la Chambre, du Sénat et du Parlement européen. Mais je crois que vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Deux questions en contraste, une peut-être qui intéresse moins le citoyen et une qui l'intéresse davantage. La première, c'est qu'on entend beaucoup dire qu'il faut de nouveau une étape institutionnelle, une révision des traités. En même temps, j'ai entendu la présidente de la Chambre rappeler, en contraste peut-être avec la dernière intervention, que l'utilisation au maximum, précisément, de ce que les traités prévoient, c'est-à-dire des coopérations renforcées, à géométrie variable d'ailleurs, n'était pas assez utilisée. Donc je voudrais avoir votre point de vue à cet égard. Et le deuxième point qui intéresse probablement le citoyen davantage, ben, ce n'est pas parce que Marianne Thyssen est là, mais ça concerne quand même le détachement de travailleurs. On mesure bien quand on voyage un peu en Europe. C'est vrai que les parlementaires voyagent, mais souvent pour travailler, Monsieur le Président. On constate bien évidemment que les points de vue sont divergents suivant l'endroit de l'Europe où on se trouve par rapport à cette directive de détachement. Et donc on peut mesurer effectivement que légitimement ces points de vue s'expriment de manière différente. Mais quand même par rapport à nos concitoyens, en termes d'adhésion ou de répulsion par rapport à l'idée européenne, il faut aller jusque-là, cette problématique de détachement de travailleurs et donc cette problématique de dumping social est un élément tout à fait fondamental. Et donc j'aimerais à cet égard avoir votre point de vue, y compris en termes de calendrier par rapport à ce qu'on espère, c'est-à-dire l'adoption de cette modification de la directive. Ik bedank alle collega's omdat ze getoond hebben dat in der beschränkung zich der Meister zeigt. Et je passe la parole au président Juncker. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Je n'oserais pas dire qu'il y a trop de groupes parlementaires en Belgique, puisque c'est la diversité démocratique de la Belgique qui s'exprime lors des occasions comme celle-ci. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous m'avez posé 24 questions. Je vous avais averti que tout ce dont je ne l'aurais pas parlé, vous m'interpellerez à ce sujet. Donc je laisse tout de même de côté les questions auxquelles j'ai déjà, même brièvement et trop sommairement sans doute, répondu.
Il me faudrait une demi-heure pour répondre à notre ami du PTB. Parce que je devrais vous expliquer les méandres du paradis fiscal belge, dont j'ai une connaissance intime. Ne fût-ce que parce que lorsque j'étais jeune ministre des Finances, nombreux étaient ceux qui frappaient à ma porte pour me dire « Si ne vous faites pas cela, nous allons en Belgique parce que les Belges nous ont offert ceci et cela. » Donc, ne donnez pas de leçons aux autres, s'il vous plaît. Oui, le PTB n'est pas Belgique. D'ailleurs, la Belgique ne sera jamais le PTB. Mais je veux vous dire, cher ami, qu'à chaque fois, et ce n'est pas une blague, que l'Europe a accusé de notables progrès en matière d'harmonisation fiscale, c'était fait sous présidence luxembourgeoise et notamment sous les miennes. Je pourrais vous provoquer en vous demandant de m'expliquer le régime européen en matière de TVA et d'accises. C'était fait le 24 juin à 8h moins quart, le lendemain de la fête nationale luxembourgeoise, parce que j'ai présidé l'ECOFIN le 23 et le 24. Jamais on n'oserait demander à un ministre français des Finances de présider un conseil le 14 juillet. Ça n'aurait pas lieu. Mais les petits États membres ont des contraintes que les autres ignorent. En 97, président de l'ECOFIN, j'ai lancé une feuille de route en matière d'harmonisation fiscale portant sur les entreprises et sur la fiscalité de l'épargne. Lorsque j'ai décidé de mettre un terme au secret bancaire luxembourgeois, les ministres des Finances belges devenaient excités par toi. Ah, Stéphane est parti. Enfin, ah, il n'est pas là. Non, je l'ai vu. Mais lorsqu'il a entendu la question sur le paradis fiscal luxembourgeois, il prenait la fuite immédiatement. Les ministres belges découvraient qu'il y avait un secret bancaire autrement plus solide en Belgique qu'au Luxembourg. Mais je passe là-dessus parce que cela me conduirait vers des propos non pas blessants, mais trop extensifs. Je veux répondre à plusieurs questions. D'abord sur la question institutionnelle. Plusieurs de nos collègues ont posé cette question. Je crois que le moment n'est pas venu pour lancer l'Europe dans un débat institutionnel. Ça n'intéresse pas les gens. Ça peut intéresser la Commission, le président du Conseil, que je verrai dans une demi-heure, le Parlement européen, les parlements nationaux et fédéraux, mais ça n'intéresse pas les gens. Parce que ils ont d'autres soucis. Que faisons-nous pour rapprocher l'Europe des citoyens? D'abord, le fossé énorme entre l'Europe et les citoyens est aussi le résultat des fossés 28 fois nationaux qui existent entre le pouvoir politique dans nos pays et les peuples en Europe. Il n'est pas vrai que la distance entre l'Europe et les citoyens serait énorme, alors qu'elle serait de dimension très réduite dans nos systèmes nationaux. Vous savez très bien que tel n'est pas le cas. Nous avons dit, en commençant notre mandat, qu'il faudrait que l'Europe soit grande sur les grandes choses. To be big on big and small and modest and timid on small things. La commission que je préside lance 23 nouvelles initiatives par année. La commission précédente lançait 130 nouvelles initiatives par année. Nous nous concentrons sur les choses essentielles, sur l'Europe numérique, sur l'Europe marché des capitaux, sur l'Europe de l'énergie, sur l'Europe de la défense et des soucis qui rencontrent les segments qui montrent que l'Europe s'occupe des choses essentielles et non pas de ce nitty-gritty quotidien où nous emmerdons les gens sans apporter de vraies solutions à leurs réponses. Personne ne m'a posé la question sur l'éco-design. Il y a des verts tout de même ici, non? Oui, voilà. Mais là encore, nous avons aboli ce qu'il ne faudrait pas que nous fassions en Europe en nous concentrant sur l'essentiel. La question de la défense est une question essentielle. Plusieurs d'entre vous m'ont posé cette question. Voyez-vous, moi je ne suis pas
très enclin à lire le monde à travers les lunettes d'un général. Si vous avez été Premier ministre luxembourgeois, vous avez par rapport aux forces armées, qui chez nous ne font pas un pluriel, mais un petit singulier, une approche différente. L'armée luxembourgeoise, c'est 771 soldats, ministres de la Défense compris. Donc, je n'ai jamais voulu trop intervenir dans ce débat, mais maintenant, en Europe, je dois le faire. Ce n'est pas une compétence immédiate de la Commission, puisqu'elle relève des États membres. Nous avons en Europe 180 systèmes d'armement. Les Américains en ont 30. Nous dépensons la moitié du budget militaire des États-Unis, mais nous n'avons qu'un taux d'efficacité, d'efficience, efficiency, de 12%. Donc il faudra que nous mettions ensemble nos marchés publics lorsqu'il s'agit d'acheter des systèmes d'armement. Nous pouvons épargner, économiser entre 25 et 100 milliards d'euros par année si nous nous concentrons sur l'essentiel et si nous faisons en sorte de mieux coopérer. Monsieur Miller m'a interpellé, que je regarde régulièrement la télé belge, parce que vous êtes parmi ceux qui m'empêchent de dormir le dimanche matin, parce que je navigue entre RTL et les RTBF. Les deux émissions se valent, il y a trop de monde et trop de disputes, donc c'est très difficile à suivre, même si on a une bonne connaissance de la langue de Voltaire, mais je regarde ces émissions dans le lit pour vous, parce que le dimanche matin, je ne vais pas à la messe, je dors. Enfin, il ne faut pas raconter ça aux partis, hein. Mais eux non plus ne vont plus à la messe les dimanches matins. Devraient d'ailleurs qu'ils prient plus souvent pour eux-mêmes et pour nous. Moi, j'applaudis des deux mains les intentions de Charles Michel, avoir ce pacte d'investissement en Belgique entre le pouvoir central, si j'ose dire, et les entités fédérales. Nous avons déjà introduit dans la grille de lecture du pacte de stabilité une clause d'investissement dont peuvent bénéficier les États membres qui se dirigent dans cette direction. Mais exclure de prime abord les investissements de l'application du pacte de stabilité, c'est ouvrir la boîte à Pandore. J'ai proposé, parce que nous avons proposé un plan européen sur la défense, d'exclure de l'application du pacte les sommes nationales qui seraient dédiées à la recherche militaire. Ce sera 500 millions d'ici quelques années. Mais pourquoi ne pas exclure les dépenses en matière d'aide au développement ? Je crois d'ailleurs, je l'ai expliqué hier au vice-président américain, cette vue rétrécie, exiguë des politiques de stabilité en portant le regard sur la seule politique de défense est une vue incomplète de l'organisation du futur du globe. Sauf au même titre que les dépenses militaires, la stabilité, les dépenses affectées aux politiques humanitaires et aux politiques de développement. Je suis en faveur, tout comme Charles Michel et le gouvernement belge, pour avoir plus souvent recours aux coopérations renforcées. Que vous appelez ça Europe à plusieurs vitesses, nous l'avons déjà, mais je ne peux plus accepter, notamment en matière migratoire, que certains États membres ne participent pas à la mise en place des décisions à l'adoption desquelles ils ont contribué. Et donc, je ne veux plus que les États membres puissent bloquer ceux qui veulent aller plus loin, reflétant en cela les ambitions de ceux qu'ils représentent au Parlement national. Le rôle de la Belgique, oui, c'est un rôle important. Parce que la Belgique, pour être compliquée au point où elle est, peut mieux comprendre les richesses et les diversités des autres. J'accorde une importance énorme pour suivre les travaux des parlements flamands, bruxellois et
wallon, j'accorde beaucoup d'importance à la vivacité de la réalité régionale dans les États organisés d'une façon semblable à celle de la Belgique, puisqu'il n'y a aucun pays en Europe qui serait organisé d'une façon aussi compliquée que la Belgique, mais l'inspiration régionale est une dimension essentielle et la Commission y apporte toute l'attention qu'il faudra. Oui, l'Afrique, nous avons lancé un plan d'investissement extérieur portant sur 44 milliards, des investissements à faire par des entreprises et par des États européens en Afrique, parce qu'il ne suffit pas de sauver la vie des malheureux qui traversent les océans, il faut lutter contre les causes de la migration, là où les causes peuvent être combattues, et donc il faudra que l'Europe investisse plus en Afrique, puisque l'Afrique est un continent d'avenir. L'Europe est un continent vieux. L'âge moyen des Européens est de 44,3. Et d'ici 30 années, nous serons encore plus vieux que tous les autres, alors que l'Afrique reste jeune, puisque l'âge moyen des Africains est de 23,2 années. L'Europe est en train de perdre la course démographique. Au début du XXe siècle, les Européens représentaient 20% de la population globale. À la fin de ce siècle, 4% d'Européens sur 10 milliards. Alors l'heure n'est pas venue à nous diviser en catégories nationales, voire provinciales. L'heure est venue pour nous renforcer en travaillant ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je profite de l'occasion pour aussi passer la parole à la commissaire européenne Thyssen, qui a été d'ailleurs interpellée par, entre autres, Monsieur Mao. Mevrouw Thyssen, alsjeblieft, u heeft het woord. Ja. Merci beaucoup. Je vais le faire en néerlandais, si vous me le permettez, Monsieur le Président. Eerst en vooral zou ik u willen danken, zou ik het Belgisch parlement, ook de regioparlementen willen danken voor de steun voor het voorstel om de richtlijn in zaken detachering van werknemers aan te passen. We hebben een voorstel gelanceerd. Ik heb dat kunnen lanceren met de steun, met een heel harde steun in mijn rug van de voorzitter van de commissie trouwens. Het is een gefocust voorstel zoals u weet. Het gaat specifiek over de verloning in het stelsel van de detachering. En de essentie is dat de regels op verloning, de regels in zaken lonen, in zaken salarissen, die algemeen van toepassing zijn op lokale werknemers, dat die ook van toepassing zijn op de gedetacheerde werknemers. Voor ons is dat een kwestie van rechtvaardigheid, is het een kwestie van duidelijkheid in de wetgeving ook, en we willen er ook voor zorgen dat de wetgeving op die manier goed afdwingbaar wordt. Ons voorstel is een evenwichtig voorstel. Ik wil eraan herinneren dat het niet gemaakt is wat soms gedacht wordt in sommige andere parlementen, om een kloof te maken tussen het ene deel van Europa en het andere. Het is precies omdat er een kloof was en omdat het vertrouwen van de burgers in het vrij verkeer van werknemers en de detachering aan het wegkwijnen was, dat we dit voorstel gemaakt hebben. We hebben het vertrouwen van de burgers nodig om gedetacheerde werknemers en vrij verkeer van diensten en personen ook in de toekomst te kunnen garanderen. En daarom, ook daarom moeten we zorgen dat het verloopt volgens rechtvaardige regels. Het past ook helemaal in ons streven naar meer convergentie in Europa. En zoals u weet willen we die convergentie naar boven laten gaan. Moet dat opwaartse convergentie zijn. Samen met de handhavingsrichtlijn en samen met het platform tegen zwartwerk moet dat ervoor zorgen dat die rechtvaardigheid er inderdaad komt. De vraag naar de kalender, wanneer verwachten we dat daar vooruitgang in komt? Wel, er wordt heel hard gewerkt door de co-legislateurs, door de twee wetgevers, Europees Parlement aan de ene kant, Raad van Ministers aan de andere kant. Ce qu'on attend en ce qui concerne le Parlement européen, selon leur calendrier, c'est prévu d'aller voter dans la Commission de l'Emploi fin du mois de juillet de cette année-ci. Et au Conseil, on continue à travailler et la présidence maltaise y croit qu'elle peut avoir une approche globale ou générale vers la fin de son mandat de la présidence du Conseil. Donc espérons que tout cela passe comme prévu. Ça veut dire qu'on puisse commencer le trilogue encore cette année-ci. Et le deuxième dossier en ce qui concerne la mobilité des travailleurs,
Il s'agit de la coordination de la sécurité sociale. Là aussi, on a lancé une proposition, mais là, on doit encore indiquer le rapporteur au Parlement européen. Mais au Conseil, on a déjà commencé les travaux. Donc là aussi, j'espère, s'il y a de bonne volonté, qu'on puisse progresser. En tout cas, nous sommes prêts à faire ce qu'on nous demande pour aider, pour supporter, pour jouer le rôle qu'on peut encore jouer pour faire progresser les deux dossiers. Merci beaucoup. Dank u, mevrouw Thijssen. Collega's, ik denk dat ik uw tolk mag zijn als ik mijn dank uitspreek ten aanzien van commissaris Juncker voor de ideeënuitwisseling die we hier hebben gehad. Eén, het viel mij op dat ook onze parlementsleden zich kunnen echt inperken tot 1 minuut. En dat u, gevoel, monsieur Juncker, vous n'avez pas évité de donner de vraies réponses. Vous avez fait du parler vrai et parler franc même. Et donc, je ne peux que vous remercier de tout cœur pour votre présence ici. Et en commémorance, et je puis vous demander de me joindre ici avec la présidente dans le milieu de cet hémicycle, et je vous donne en commémorance de votre visite la médaille de notre Parlement. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci.